Bonsoir à tous ces amis, c'est Valmore 333 et vous constatez que je suis en compagnie de Fanny sur notre serveur Conan Exiles. Alors, pourquoi tant d'attentes finalement entre le dernier épisode? Et ben tout ça, tout simplement en raison d'un petit souci visiblement, je sais pas, avec ma carte réseau ou je sais pas ce qui cause ce problème là. Je suis en train de me renseigner auprès de Funcom, qui ne sont pas très coopératif pour donner des réponses sur le sujet, mais le fait est que fini le quad HD, fini la 2K, en tout cas temporairement, on retourne en 1080p sur une autre machine sur laquelle je suis en train d'enregistrer, les amis, mais effectivement le temps que ce problème soit réglé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va faire une... Alors avec toutes ces bêtises, comme on a passé beaucoup de temps sur le serveur, en tout cas moi particulièrement, puisque Fanny ne pouvait pas me rejoindre, elle ne pouvait plus me rejoindre sur le serveur. Donc le fait est que, c'est ça hein, le problème en question, j'aurais pu tourner tout seul hein, finalement, mais l'intérêt c'est de pouvoir jouer avec Fanny. Donc le fait est que, on va, à force de rester sur le serveur à attendre une potentielle connexion réussie, eh ben, ça fait que notre jauge de purge a beaucoup augmenté. Ce qui fait qu'on devrait être attaqué dans très peu de temps. Donc on va pas aller faire beaucoup de... On va pas aller très très loin. On va sûrement aller récupérer des ressources aujourd'hui. Session farming, puisque on a besoin de barres d'acier. On a besoin également de barres de métal... d'acier durci. Du durastil. Et on a également besoin de beaucoup de ferraille. Pour pouvoir faire de l'obsidienne. Pour pouvoir transformer des lingots en obsidienne, etc. etc. Donc tout ça, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et puis pareil pour le métal stellaire, même si le métal stellaire, il ne dépend que du métal stellaire qu'on récupère brut. Et on n'aura pas la possibilité aujourd'hui d'aller jusque là-bas sans déclencher la purge. Donc ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui on se fasse une petite session de recherche de ressources. On va aller farmer un petit peu auprès de Nonas, voir s'il y a du poisson, parce que l'huile est toujours d'actualité. Et on va aller chercher du sang de démon également. Alors je vais prendre mon dada de combat. Je sais pas si je vais m'équiper d'un... Si je prends un compagnon avec moi. Je me tâte. Geralt? Non, je vais prendre Arty, tiens. On va le monter un peu en XP. Notre ami Arty. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as vu, j'ai sorti Arty. Elle va te suivre. Pas d'inquiétude. Alors, commençons par les Nas. On va commencer à faire une activité, tu vas voir que la purge va se déclencher. La purge est beaucoup plus difficile, hein. J'ai modifié les paramètres du serveur. Et j'aime autant vous dire, les amis, que la purge est clairement modifiée. Aïe! Tu m'as fait tomber. On a réactivé les... J'ai réactivé les dégâts alliés. Ça te fait des dégâts? Non, bah je sais pas pourquoi. Parce que normalement t'es pas censé me faire tomber. Alors le piège à crustacés. Ah bah tout est vide. Ça va pas du tout cette affaire là. Je vais aller récupérer des larves. Toi, ce que tu peux faire, c'est éventuellement dans les buissons récupérer des insectes. Des poignées d'insectes à mettre dans les nasses. Ça fait plaisir de retourner un peu sur Conan, parce que ça faisait un moment qu'on voulait en retourner et on était malheureusement coincé par ce problème. Donc, tac, tas de compost, je récupère les larves. Des...
je fais des déplacements de fichiers, de gros fichiers d'enregistrement en parallèle sur cette machine-là, donc j'espère que ça ne va pas causer trop de saccades. Normalement non. On partage en 4. Hop. Et dans le piège à crustacés, pour histoire d'avoir un peu de bouffe, quand même. Je voulais regarder au niveau de la religion également, parce que je pense qu'on va s'occuper de ça aussi. Ah, il est déjà amélioré. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour l'améliorer encore? Des briques durcies, du bois façonné, manifestation du zèle. Ah, les briques durcies, ça va nécessiter qu'on ait beaucoup d'or et beaucoup de d'argent, puisqu'il faut des bases alchimiques pour faire des briques durcies. L'argent, on pourrait peut-être aller en récupérer un peu. Ça fait longtemps en plus. Et c'est pas trop loin. Je sais pas où t'es. Parce que moi je m'apprête à partir à l'aventure. Monsieur l'arbitre, on est obligé de viser le derche. Votre suivant a gagné un niveau. En même temps, il n'a pas de niveau pour l'instant. Je suis en train de me faire le boss des hyènes à Ecarty. Oh là 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 là. Arctic a mis le petit coup de patte. J'ai pas mon tranchoir. Si. Qu'est-ce que je peux remplacer ça? Une tête de hyène. Ah, c'est toi là-bas que je vois? Bah arrête-toi, reste là. J'arrive. Je sais pas ce que tu fais là, mais... Si tu veux, il y a un donjon pas très loin de nous qu'on pourrait peut-être faire. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Bon. Où ça? Où? Là. Allez Arty! Voilà! Ah bon? Non, non, c'est qu'il prend des levels en fait. Et comme il prend des levels, forcément sa vie augmente. Et je sais pas s'il mange de la viande sauvage. Bah du miel, mais j'ai oublié d'aller en chercher. Je vais aller vite fait lui en chercher. Je le laisse ici. J'arrive. Reste là en attendant. On va aller voir un donjon. Je pense qu'on n'a pas forcément le niveau pour se le faire, ce donjon. Mais on peut le tenter. On verra si ça se passe bien ou pas. On n'est pas très loin de la maison, donc si jamais il y a une purge qui se déclenche, on pourra revenir assez rapidement. À l'origine, on était censé aller chercher des ressources. Mais bon, on s'adapte. Au gré de nos aventures. On adapte nos activités. Ah parce que je t'ai dit, je le laisse ici.
Fanny me demandait pourquoi est-ce que j'avais laissé mon nounours. Hein. Parce que vous ne devez pas l'entendre, je pense. Si jamais on doit retourner de nouveau en utilisant cette machine-là, on utilisera Discord. Hein. Non, non, là, ça reste exceptionnel. C'est bon, j'ai du miel. Parce que les nounours, ça aime le miel. Tiens, ça, je récupère par contre. L'écorce, ça reste précieux. Alors. Qui nous attaque? Oh, des hyènes encore. Il gagne un niveau. Merde, c'est pas le bon. Hop. Allez, viens. J'y ai donné? Non, j'y ai pas donné. Ils ont changé l'icône de l'inventaire maintenant. C'est plus sympa. Il y a eu une mise à jour, je crois, depuis la dernière fois qu'on a tourné. C'était sur l'autre machine. En quad HD. Quelle tristesse. On perd la quad HD. Mais ce n'est que temporaire. Je ferai tout mon possible pour essayer de corriger le problème sur ma machine. Alors attention, ici il y a des créatures très bizarres. Je sais pas si tu te rappelles, on était déjà passé par là. Non, ça va, c'est une hyène. C'est une hyène. Allez, viens, on est juste à côté. Nous allons ici. On va laisser nos animaux ici. Enfin, surtout les chevaux. Je vais lui demander de monter la garde. Hop. J'ai mon épée avec moi. Oui. Parce que là, l'épée, pour le coup, pourrait être utile. Parce que je peux garder la torche. Créature démoniaque! Pour l'instant, ceux-là sont pas trop difficiles à battre. Ils gagnent du level, hein, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Où est-ce qu'il y a une entrée déjà? Je ne sais plus. Ils font un peu flipper ces chiens là. Hein. Tu t'essayes de les dépouiller pour voir ce qu'il en sort? Quand... Bah avec le couteau à dépouiller. Pour voir déjà. D'accord. De la merde, donc. Parfait. Arty, il fait le café. Hein. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer là-dedans? Sans s'exploser... les petons. Parce que je serais bien tenté de descendre là, là. Oh là là, en bas, il y a un pur dragon. Ouais, regarde en bas. Le dragon de Seymour. C'est ça qu'on va aller affronter, mais il faut qu'on trouve une vraie entrée. Par où est-ce qu'elle pourrait être? Je l'ai fait, ce donjon-là, sur une autre partie, mais c'était il y a un petit moment. Je ne sais plus trop. L'obélisque, je crois qu'on l'a déjà couplé, celle-là.
Tu peux essayer, mais je crois qu'on l'a déjà couplé. Obélisque déjà couplé à votre bracelet, tu vois. On était déjà passé par là. Bah attends, je tente quelque chose. Attention. Quel truc? Il y a une entrée? Ah! On l'a peut-être pas fait celui-là. Effectivement. Sache, esclave, que sur ordre du maître de guerre, l'arène a été fermée. Tous les gladiateurs ont été appelés afin de participer à l'effort de guerre et les compétitions prévues ont été annulées. Toutes les créatures... Ouah, ça parle trop vite. J'ai à peine le temps de lire. Afin de recevoir leur nouvelle assignation... Va, esclave, en temps de guerre, chacun doit accomplir son devoir. Fais ce que doit. Très bien. Parce que moi, je veux bien qu'on trouve une autre entrée. Mais elle est forcément en contrebas s'il y a une autre entrée. Puisque t'as vu la profondeur du trou. Ah 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 ah. On n'a plus le temps. Des Darfari. On va se préparer au combat. Les purges sont plus longues, plus difficiles. Le serveur a été réglé en conséquence. Tiens, bah, prenons un peu d'avance et allons massacrer les Darfari qui sont là. Alors comme ça, vous comptez nous attaquer? C'est ce qu'on va voir. La crête des pillards. Où sont-ils? Bande de païens. Oh putain, il y a un... C'est un tanneur maître. Fais chier, j'étais obligé de le tuer. Il y avait un maître tanneur. De toute façon, avec nos créatures, il les aurait défoncées. Ça, c'est dommage. Un maître tanneur, j'aurais pas dit non. Je ramasse un peu leur merdier. Bon, y a pas grand chose de ouf à récupérer. Allez, retournons à la baraque. On va sûrement se battre de nuit. Aucun respect. Moi, je cours sur Bambi. À récupérer. C'est de l'écorce, c'est précieux. Parfait. Alors. Le cheval va nous attendre, Artie aussi. Je vais boire un petit coup, manger un petit steak. On est bon. Alors. J'ai ce qu'il faut en flèche normalement, tout à fait. J'ai même des flèches explosives si besoin. Je serai équipé de mon épée à deux mains. Voire même de mon katana. Du poitain. Il me faut mon casque. Donc je vais mettre mon casque tout de suite. Comme ceci. Magnifique casque. De quoi est-ce que j'ai besoin d'autre? Je vais sonner... Le corps du Gondor.
Attention. Deuxième fois. Est-ce que tu l'entends quand je fais ça? Tu n'entends pas le corps? Ah. Ok. Donc bah c'est que pour moi, c'est pour mon RP perso. Je vais peut-être prendre ma grosse pique, si je ne l'ai pas, ma lance de cavalerie. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous amener, mais par sécurité, petite lance de cavalerie. Hop là. On va mettre ça à la place. De l'épée, peut-être pas, peut-être plutôt de mon couteau à dépouiller, puisqu'on ne va pas dépouiller de gens. Ça m'étonnerait. Ça y est, je suis prêt au combat. 5 minutes. C'est plus qu'il m'en faut pour aller m'entraîner un petit peu sur les Darfari qu'il y a un peu là-haut, là. On va aller leur expliquer un peu le respect. Puis je voudrais pas qu'ils viennent donner un coup de main à leurs collègues pendant qu'on les attaquera. Parfait. Il y en a d'autres qui veulent y goûter. Ils sont pas nombreux à ce camp-là. Ça me surprend qu'après toutes ces heures de jeu, ce camp-là n'ait pas disparu totalement. Il continue de persister à rester à côté de chez nous. Il nous faut masse de briques, hein. Donc en attendant, moi je vais casser un peu de la caillasse. Parce que pour faire des briques durcies, il va nous falloir une sacrée quantité de briques tout court. Et les briques, il faut une sacrée quantité de cailloux pour en faire. Et quand on aura récupéré, tu mettras ça directement dans les fourneaux. Il me semble qu'on a un maître au fourneau en plus. Ou un personnage, en tout cas un artisan qui est un petit peu meilleur que celui qu'on avait avant. Que j'avais récupéré à Sepermerou. Là-bas, il y a un gros caillou. Ah, j'ai gagné un level. Juste avant la purge, ça peut être intéressant. 23 points à placer. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un peu d'encombrement. Votre charge maximale augmente de 10% si je mets le point suivant. Allez, je le mets. Plus de charge, moi ça me fait toujours plaisir. Et un peu plus de vitalité. Pourquoi pas? De quoi? De la caillasse. Ah, ça compte pas ces cailloux-là. Faut que je prenne du petit caillou. Ça sert à rien. Fanny a posté nos animaux devant la forteresse pour la protéger. Mais je pense pas qu'ils seront utiles, ils seront pas nécessaires de les. C'est pas nécessaire de les déranger. Mon encombrement est trop important. On ne peut plus tricher en changeant d'arme, ça nous permettait de continuer de courir. Ils ont corrigé, j'ai vu ça dans le dernier patch note. Où est-ce que j'ai laissé mon cheval, moi? Ah oui, là-bas, c'est vrai. Je vais donner à Gérald mes cailloux. Il y a encore les armes en obsidienne qu'on a récupérées dans les montagnes. Je pourrais peut-être m'en servir, tiens. L'épée à deux mains, elle a encore pas mal de... Ouais, allez, je tente.
Maintenant, on peut les réparer, ouais. Puisque maintenant, on a les plans pour les fabriquer. Bah, quand si jamais tes dagues sont détruites, tu les garderas. C'est pas une épée à deux mains, c'est une épée normale qu'il a. Gérald. Ça, c'est dommage. Alors, attention, une minute. T'as mis nos animaux devant la forteresse, mais je pense pas que ce sera nécessaire. Hop. Ma lance. Autant que tu peux trouver. Bah déjà prépare-toi au combat. Parce que dans 30 secondes, ça arrive. J'ai vu une hyène. On se tient prêt. Ça va être une purge probablement plus difficile que celle qu'on avait déjà eue. Après, on a un niveau maintenant qui nous permet de ne plus craindre ces animaux. Là-bas, ça arrive. Tu vas crever! Voilà, Edin. Les suivants, où sont-ils? Faudra que j'augmente encore la difficulté, c'est pas possible. Parce que si c'est que ça leur petite attaque, c'est faiblard. Tu vois quelque chose? Moi, je ne vois rien. Et pourtant, j'ai une bonne visibilité. Je fais bien le tour de la forteresse. Ah, il y a des trucs qui se... Il y a des petits trucs, là. Ouais, j'ai vu un truc, là-bas. Que se passe-t-il? Ils sont en train de casser notre enclos. Oui, c'est des autruches. Elles doivent faire partie de la purge. Alors attends. Ah bah c'était un boss. Ah, il y a des autruches qui arrivent là. Ah, c'est ça, les Darfari, ils nous envoient des autruches. C'est pas bien méchant. Hein. Faut vraiment que j'augmente encore la difficulté. Pourtant, là, je crois qu'elles sont au niveau 4. Hein. J'ai mis au niveau 4 les purges. Niveau 3 ou niveau 4, je sais plus. Je vais mettre au niveau 5. Hein. Il nous faut un peu plus de challenge. Là-bas, il y a des petits bugs graphiques. Tu vois quelque chose? Ah oui, dans 40 secondes, j'avais pas vu. Défendra jusqu'au bout. Nous, ce qu'on voudrait, et je pense qu'à la difficulté 5, j'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit être ça. Ce qu'on voudrait, c'est un avatar qui vienne. On n'a pas encore essayé les avatars. Mais en même temps, on n'est pas très bon en religion pour l'instant. Un avatar, ça serait quand même la grande classe. Personne viendrait nous emmerder, là.
où sont-ils? Leur fameuse horde, ça va encore être 3 kiki et 4 perruches. T'en as trouvé? Moi, de mon côté, c'est relativement calme. Je sais pas où ils sont, mais... Ah là là là, il y en a qui arrivent! Pas touche à la forteresse. Ah, y a une petite perruche là. Ah, y en a plusieurs qui arrivent avec des perruches. Sont faibles. Ouais, par contre les plumes, j'avoue que c'est sympa. Alors j'ai augmenté la durée des purges aussi. Hein. Donc on va avoir plusieurs assauts avant qu'ils nous laissent tranquilles.